C'est quoi ? C'est quoi ? Bah, c'est quoi ? 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 Un papillon, donc, c'est un insecte, donc il a un corps segmenté qui comprend une tête, un thorax et un abdomen. Le thorax porte trois paires de pattes. Il a deux paires d'ailes, donc des ailes antérieures et des ailes postérieures. On reconnaît un papillon de jour d'un papillon de nuit à la forme des antennes qui se terminent en massue chez les papillons de jour. Les ailes sont recouvertes d'écailles qui sont irremplaçables. Il faut regarder le papillon, le toucher avec les yeux, surtout pas avec les mains, pour pas détacher malencontreusement donc les écailles qui vont nous rester sur la main sous forme de poudre. Sa trompe lui permet de se nourrir sur les plantes nectarifères. Ils portent des taches sur leurs ailes, donc c'est ce qu'on appelle des ocelles, donc ils peuvent former des yeux en fait, et du coup avec un battement d'ailes, ils peuvent s'enfuir et faire fuir le prédateur qui ne va pas comprendre que c'est un papillon, mais plutôt un autre animal, comme des yeux de chat. Les papillons, ils peuvent vivre de quelques jours à quelques mois. Certains, donc, comme le citron, peuvent voler plusieurs mois, 7 mois, lui il bat des records. Il est capable d'hiverner en se cachant derrière les volets ou dans les buissons de lierre. A l'inverse, donc, le grand paon de jour, lui, va vivre que quelques jours. Il n'a pas de tronc, donc il ne peut pas s'alimenter. Et une fois émergé, sorti de sa chrysalide, il va uniquement donc, se reproduire.